Salut les crafters et bienvenue dans ce sixième épisode de Donjons et Cavernes. Aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser cette tuile, donc une salle en ruine avec un cours d'eau, et on réalisera également des petites passerelles en bois afin que vos héros puissent traverser la salle. Allez, place au craft! Pour cette tuile en ruine, j'ai utilisé 3 couches. La première est une toile à peindre de 25 x 25 cm. La seconde, un morceau de polystyrène extrudé d'épaisseur 18 mm que j'ai coupé de la même taille que ma toile. Et pour finir, un morceau de déperon de 6 mm d'épaisseur, également de 25 cm de côté. La première étape est exactement la même que celle du premier épisode de Donjons et Cavernes. J'ai donc tracé sur mon déperon les dalles de la tuile à l'aide d'un stylo. Puis, j'ai passé mon cutter légèrement afin de marquer le rainurage. Et à l'aide d'un crayon à papier, j'ai amplifié ce rainurage. Pour finir, j'ai passé un petit coup de lime sur les bords de la tuile. Ensuite, je viens coller ma tuile de déperon sur mon morceau de polystyrène extrudé. J'ai tracé au stylo la partie endommagée de ma tuile. Puis, à l'aide d'un fil chaud, j'ai retiré les parties que je souhaitais supprimer. J'y suis allé progressivement, car avec le fil chaud, on ne peut pas réaliser la découpe en une seule fois. Une fois la découpe réalisée, j'ai collé mes éléments de tuile sur la toile de peinture. J'ai également créé un joint avec ma colle à bois afin d'éviter d'avoir de mauvaises surprises lors de la coulée de la résine. Pour coller les éléments centraux, j'ai utilisé les éléments supprimés en repère et à l'aide d'une équerre, j'ai vérifié l'alignement des dalles. J'ai passé ensuite un petit coup de cutter tout le long des éléments pour endommager les dalles. A l'aide d'un stylo, j'ai rajouté quelques fissures et j'ai marqué avec un caillou l'ensemble de mes dalles pour les texturer. A l'aide d'un mélange enduit à bois, colle à bois, j'ai badigeonné toute la crevasse ainsi que les parois. Pour le fond de la crevasse, j'ai étalé et fait comme des traînées pour simuler les marques du courant. Pendant que mon mélange était encore frais, j'ai saupoudré de sable, puis j'ai ajouté des petits cailloux de différentes tailles. A l'aide de mon pinceau, j'ai tamponné sur le sable et les cailloux pour qu'ils s'imprègnent bien dans mon mélange. J'ai ensuite ajouté différents éléments de détail, un bout d'os, un bouclier, quelques crânes et squelettes, un coffre, une lance, bref, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez au fond de l'eau.
L'étape du tuto qui suit est optionnelle. J'ai mis dans le fond de la crevasse de la Crackle Paint, c'est une peinture qui donne un effet fissuré. Une fois tout sec, j'ai passé l'aérographe, vous pouvez aussi le faire au pinceau. J'ai commencé avec un gris foncé, puis un gris un peu plus clair. Pour les dalles, j'ai gardé la même méthode que dans les précédents épisodes. Marron avec Mod Podge, puis marron seul, puis des brossages avec beige et gris, puis une rehausse finale d'un léger brossage de blanc. Ensuite, j'ai peint tous mes éléments de détail. À l'aide de la colle gel scotch 3M, j'ai réalisé des traînées dans le fond pour faire un effet de vase. C'est une colle gel donc ça fait comme des fils, n'hésitez pas à utiliser un cure-dent pour étirer et coller dans le fond de la crevasse. Cette colle peut être utilisée pour faire également d'autres effets, bave de monstre, toile d'araignée, bref, j'aurai l'occasion de vous montrer tout ça dans une autre vidéo. Puis, j'ai ajouté un peu d'encre verte à différents endroits, puis de la peinture marron diluée. Ensuite, j'ai réalisé un petit brossage à sec de gris et blanc. Afin de pouvoir couler la résine, j'ai ajouté aux trois côtés ouverts de ma tuile des éléments de plastique transparent que j'ai collés au pistolet à colle. Pour ne pas me faire avoir par un éventuel petit trou, j'ai fait un joint avec de la colle à bois. Alors ici, j'ai fait une petite erreur. J'ai fait couler ma résine alors que la colle n'était pas sèche à cœur. Résultat, on voit un peu à travers ma résine un joint blanc qui aurait dû être transparent. Je vous invite à préparer un bac au cas où un petit accident surviendrait. Moi j'ai fait ça dans un petit plateau en bois avec une feuille de papier cuisson. Pour la préparation de la résine, pensez à bien doser et mélanger délicatement, pas comme un bourrin, sinon vous allez avoir plein de bulles. Ajoutez un peu de colorant de votre choix pendant le mélange. Pour colorer ma résine, j'ai utilisé pour ma part de la peinture PBO vitrail transparente turquoise. On mélange bien afin que le colorant soit réparti de façon uniforme. Ensuite, j'ai fait couler la résine. Alors la petite astuce, c'est d'utiliser un pic à brochette par exemple, pour que la résine suive le long du pic et que vous puissiez bien la répandre dans la crevasse. Et n'hésitez pas à vous déplacer tout doucement afin de bien remplir chaque zone. Je vous conseille de surveiller la période de séchage de temps en temps, surtout dans les premières heures pour éliminer les formations de bulles. Ça peut être éliminé très facilement à l'aide d'un mini chalumeau. 24 heures après, je viens retirer délicatement mes supports. Ensuite, je vais réaliser le courant. Et pour ça, j'ai pris du gel brillant PBO que j'ai appliqué au pinceau et à l'aide de mon aérographe, j'ai soufflé le gel. J'ai donné un effet de vaguelette en essayant de bien suivre le courant de l'eau.
Ensuite, j'ai utilisé le Splash Gel de Green Stuff World pour donner un effet un peu plus volumineux à certains endroits pour réaliser les remous, donc au niveau des deux éléments centraux et tout autre obstacle qui entre en contact avec le courant. Une fois mon gel sec, j'ai pris de la peinture blanche que j'ai diluée avec un peu d'eau et j'ai essuyé mon pinceau avant de le tamponner légèrement sur les zones où j'ai appliqué du gel. J'ai atténué mon tamponnage au fur et à mesure que je m'éloignais de l'obstacle pour créer le remous. Pour finaliser ma tuile, j'ai peint en noir tout le contour sauf les parties des dalles. Pour réaliser les petites passerelles en bois, rien de bien sorcier. J'ai utilisé des allumettes et des touillettes à café. J'ai donc coupé mes touillettes afin d'avoir des lattes de bois d'environ 3 cm de large. Je les ai ensuite collées sur 3 allumettes qui servent de renfort. J'ai réalisé 2 petites passerelles et une grande dont la longueur fait l'équivalent des 2 petites passerelles. Comme j'ai pu le faire sur les miennes, vous pouvez endommager quelques lattes de vos passerelles. Pour la peinture, j'ai directement utilisé une peinture en tube marron diluée avec un peu d'eau. Ensuite, j'ai passé une encre marron, puis j'ai effectué un brossage avec un marron plus clair. A l'aide d'un petit bout de mousse, j'ai tamponné quelques endroits avec une encre bleu vert pour les salir et donner un effet de moisissure du bois. Pour terminer, j'ai effectué un dernier brossage à sec de marron clair. Les passerelles sont maintenant terminées et c'est également la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt et bon craft !